Salut à tous et bienvenue dans cet épisode 3 des aventures d'un noob sur Minecraft. Alors on commence ici dans une nouvelle zone, puisque pour vous situer un peu, j'ai un petit peu exploré depuis notre dernière session. Donc mon abri de fortune, puisque là j'ai commencé un super spot pour me construire quelque chose. Donc bah voilà mon abri de fortune pour les travaux. Et donc la zone en question, alors je vous explique un peu les travaux. J'ai voulu aplanir le haut de la montagne à cette hauteur-là pour pouvoir construire quelque chose de correct. Sauf qu'il y a quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'est qu'il y a un bug. Peut-être pouvoir vous faire voir là bientôt, qui fait que les nuages passent à travers les murs. Donc je me suis dit, j'ai pas spécialement envie d'avoir une baraque, voilà, avec des nuages qui passent comme ça. Alors est-ce que ça passe qu'à travers la terre et pas à travers la cobblestone? Je ne sais pas ça, je devrais peut-être tester ça. Enfin, toujours est-il que je pense que ma maison, je vais la construire au-dessus des nuages et que j'aurai toujours mon point de vue ici. Donc j'ai un petit peu exploré, j'ai fait un tour en fait, puisque mon point de spawn se trouve là-bas et je suis parti comme ça. Voilà, j'ai fait un cercle, je suis parti comme ça, hop 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 hop, et je suis arrivé ici. Donc d'énormes travaux, hein. Je vous laisse même pas imaginer combien de bouts de terre j'ai enlevé d'ici. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que c'est énorme. Donc, voilà. Pour un petit aperçu de là où je vais faire ma maison. Le projet s'annonce assez titanesque. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous ferai suivre les choses au fur et à mesure. Mais vous n'aurez pas forcément les travaux en direct. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intéressant. Et nous, on va plutôt partir à l'aventure. À plus tard. Alors attention, un squelette archer, avec moi ça peut signifier la mort. Putain de chiotte alors, j'en ai rien à faire, moi je suis vraiment une vieille quille en combat. Navré. Oh là 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 là, ils arrivent mais vraiment à me déboîter ces salopards. Putain, j'avais pris deux steaks. Enfin, trois steaks, j'aurais dû en prendre le triple. Bon. Alors, visiblement, ma technique de survie n'est pas très efficace. Ouais, et puis, bon, l'épée m'a lâché, on va dire, encore à un moment pas trop critique. C'est dingue, il y a des ennemis que je n'arrive pas vraiment à appréhender, disons. Et désolé pour mon grossier langage. Mais là, j'ai eu une montée d'adrénaline. Toute façon, à mon avis, je vais bien en avoir d'autres, des surprises. Voilà, j'avais pourtant essayé d'éclairer hein, ici, mais. Bon bah. Je crois que c'est ces résidus que je viens de voir partir en fumée. Merci. À la lave. Bah là y a rien à faire, hein. Y a pas de secret, il faut que j'éclaire un maximum la zone. Je suis stressé, hein, désolé, mais. Mes derniers combats sont tellement bien passés que pas facile pour moi de me sentir à l'aise, et vous le voyez.
Voilà, bah ça c'est efficace. Oh là là, désolé, hein, c'est vraiment pitoyable, il va falloir que je m'entraîne au combat. Parce que là, cette session aventure s'annonce très courte, si je continue ainsi. Ouais, puis faut dire qu'on est particulièrement gâtés là. Oh merde, il m'a repéré le salaud. Oh punaise de salopard. Alors les zombies finalement c'est mes préférés, hein. Avec eux j'ai pas trop de mal. Même si lui a réussi à avoir l'effet de surprise. Et moi j'ai intérêt à rebouffer un steak. Bon, je vais essayer de me faire ces creepers. Bon, il est... Putain l'enfoiré. Bon, je suis mort. Eh bien non, merci le mur. Bon bah il m'a permis de miner plus rapidement, donc mon piège à creeper là n'est pas du tout efficace, il faut que je le fasse. Bon, je vais sûrement être obligé de faire cette vidéo en deux parties pour reprendre des munitions de steak, hein, parce que là c'est juste pitoyable. Voilà, j'ai pas du tout... Oh punaise! Alors là, on est mal. Ah, là, on est mort. Bon, eh bien, voilà, je vous évite le retour ici. Ah, À putain. sur les yeux. Nous voilà repartis. Sans armes, quasiment complètement à poil. Ça va être une sacrée mission de survie qui nous attend là. Sachant qu'il faudrait que j'essaye de me dépêcher de retrouver l'endroit où je suis mort pour avoir une chance de récupérer mon équipement. Je suis déjà en train de me planter de route, je crois. Là là, là j'ai un peu la pression parce que j'ai vraiment pas envie de repérer tout ça. C'est bon. C'est bon, c'est là. Alors, s'il y a un ennemi, je n'ai aucune autre solution que la fuite. Et j'espère que je vais un peu mieux m'en sortir. Ah, j'espère surtout pour vous, parce que là, ça doit être assez affligeant à regarder. C'est d'ailleurs assez affligeant à jouer, je ne vous le cache pas. Mais bon. Voilà, je pense qu'en même temps, c'est là que c'est le plus drôle pour vous. Donc si au moins ça peut faire marrer du monde, ce sera déjà une bonne chose. Bon alors, bon vite là, il me faut que je me mette des torches ici, là, j'ai pas envie spécialement que la prochaine fois que je vienne, il y ait du monde. Bon alors, il y a du fer ici. Il y a du fer ici, bon allez, il me faut une épée par contre. Je ne sais pas m'en servir, mais bon, ça peut toujours dépanner. Bon alors on va se faire un piège à creeper quand même, en espérant que... Notez que j'avais réussi à m'en servir dans la première vidéo. De satané piège à creeper. Bon, donc le but ici... va toujours être déclaré le secteur. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé des donjons, vous. Moi, c'est un petit peu ce qui me ferait plaisir. Surtout que là,
pense qu'en termes d'aventure, ce sera un petit peu le summum pour vous, quoi. Allez, suis-moi, toi, salopard. Bon, faut pas leur en vouloir, ils sont un petit peu handicapés. Bon, lui, il faut qu'il tombe dedans, là. Allez, dedans! Oh, c'est parfait. Voilà, je saute dans le trou parce que, bon, la poussière, ça peut être intéressant, entre autres pour se faire de la TNT. TNT qui, pour miner, peut être ce qu'il y a de plus efficace. On va y aller avec méthode. C'est ce que j'ai essayé de faire là. On n'est pas là pour miner, je reviendrai moi en ce qui concerne le minage. Là, je suis là pour explorer. Et vous faire partager mes découvertes et surtout, en fait, mes déconvenues. Bon, je vais aller voir là-dedans parce que ça m'énerve. Oh, de l'or, super. Super, un beau filon d'or. Alors, comme l'ont déjà noté certains, on ressent l'angoisse. Lorsque je joue, ouais, je suis vraiment pris dans le jeu. Bon, ça peut être chiant pour vous parce que du coup. Il y a des moments dans les vidéos où je ne parle pas. Voilà. Bon, ouais. Eh les gars. La naissance du skill d'un noob en direct. C'est pas merveilleux ça? Il va falloir que je me fabrique des panneaux aussi pour pouvoir baliser la route un petit peu plus efficacement que. Oh, c'est une super mine en termes de ressources. On a vraiment un peu de tout ici, j'ai l'impression. Encore de l'or. Mmh.